www.casarema.fr. Un jour, quelqu'un m'appelle. Mon prénom est Thomas Béni. Bonjour, Pasteur Marcelo. Bonjour, Pasteur Marcelo. Moi, c'est le frère Blaise Manzan. On a une de Blaise Manzan. Je suis le PDG de Casarema. On a une colo Casarema. J'ai un site chrétien à Paris. On a un site chrétien à Poto. Je voudrais la ligne que tu me permettes au Pessaman de prendre l'une de tes vidéos que j'ai vues sur Internet. Dans son mot de vidéo dans mon Internet. Et de mettre ça sur mon site. On a déjà un site www.casarema.fr. www.casarema.fr. Et comme il se connaît les gamos. Un phénomène. Complicant. Certaines prédications ont atteint 700 000 vues. Mandé à Moussoussou, 700 000 personnes par l'année. Pas sur YouTube, dans le site. Dans YouTube, des ménages, 300 000 vues. Moussoussou, 300 000 personnes dans l'année. À l'heure où je vous parle, dans le, Bélabinor, le site a bloqué. Site est commis, bloqué. Il est là. Pourquoi trop de gens les gardent? Et les États-Unis ont écrit, vous avez atteint le nombre maximum de vues, vous devez refaire le site parce que ça fait un embouteillage sur le net. Vous tapez www.casarema.fr. Amen. Que votre récompense grande aux yeux de Dieu.
Amen. 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 Je vais parler pendant 30 ou 35 minutes. Ensuite, il y a un homme de Dieu qui va témoigner pendant 15 minutes parce qu'il était avec moi dans cette mission. Et puis, nous allons prier pour vous. Et le ciel va se prier. Et la gloire de Dieu va tomber. Je bénis Dieu parce que quand tu marches avec Dieu, toutes choses réellement concourent à ton bien. Et ce matin, normalement, il ne fallait pas que je puisse apporter le message. C'est le pasteur le docteur Isaac qui a prêché au premier culte, qui devait également prêcher au second. Et ça qui, voilà qui si Isaac a été qui m'a sauvé à la main d'un ami. Mais malencontreusement, celui qui l'a invité est tombé malade, il devait rapidement aller prêcher, ce qui fait que je suis dans l'obligation de parler ce matin. Et au salaire qui est monté et singa qui a été à l'église, il y en a eu pour la n'attendre le lot à Zikokoso à Bengi et singa qui a été à la première qui papa à Zouabaye à la Bibale. Et je dis, Seigneur, le matin j'arrive à l'église, on me dit, c'est pas tu dois parler, qu'est-ce que je veux dire, Seigneur? Dans ton mot à l'école, dans combien d'années ça va bien singer dans le banal, le bal souvenir du col. Vous savez, quand tu as beaucoup de prédications, tu vas seulement prendre une de tes prédications, tu la donnes. Mais là, c'est devenir professionnel. Il faut demeurer un amateur dans les choses de Dieu. Enfin, que tu te restes un David devant Goliath. Sinon, quand tu penses avoir maîtrisé Dieu, il t'abandonne. Alors, Dieu m'a convaincu de vous partager seulement le témoignage de la mission. Et je suis convaincu que ça va affermir la foi d'un homme. Et je me suis dit, est-ce que dans l'église primitive, il en était ainsi? On a dit, ce qui est l'église, il y a un mot, ça a qui bouillait. Oui, dans les actes des apôtres, dans acte 11, il y avait des cultes où seulement les apôtres venaient rendre compte de la mission. L'église, il y a un mot, ça va tout m'en souvenir, il y a un mot pour moi. C'était seulement des cultes, on faisait le rapport de ce que les apôtres ont fait. Et des fois même, ils venaient défendre devant l'église des nouvelles choses qu'ils avaient faites que les autres ne maîtrisaient pas. Nous voyons cela dans Acte 11, verset 1er jusqu'au verset 4. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Et lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Bien-aimé, lorsque Dieu m'a appelé, un jour,
Je prêchais tous les messages. Avant, je prêchais les. Et dans ma propre vie, j'appliquais beaucoup plus le message de la sainteté. Mais un jour, j'ai entendu une voix, on était dans une veillée. Au-dehors de moi, qui m'a dit, parle à mon peuple sur la sainteté. Et pour me confirmer que c'était Dieu, quelqu'un qui était dans la salle, qui n'avait pas entendu ce que j'avais entendu, a commencé à crier à haute voix ses péchés. Seigneur, pardonne-moi. Je fais ceci, je fais cela. Et moi, j'entends une voix et lui crie ses péchés. Et depuis lors, le trois quarts des messages sont devenus des messages de sanctification. Même si je prêche quelque chose, je reviens toujours là. Ils savent comment c'était difficile. Comment est-ce qu'il y avait des combats? Comment est-ce qu'il y avait même le rejet de certains hommes de Dieu? À cause du message de la sainteté. Comment même moi-même j'ai souffert financièrement à cause du message de la sainteté. Parce que les Congolais ont tendance à bénir les gens qui les flattent. Ouais, je commence à prêcher. Ce panier là, ah, le frère est venu d'un lui, gloire à Dieu, mais ce panier là souffre des blessures intérieures. Et si j'ai commencé à tu seras plus que ton père, plus que ta mère. Et je voyais ça, il m'arrivait de tenir des séminaires à prix haut de 35 $. C'est 30 $. Tu as du mal, si tu payes ta maison, c'est tout. Ce qu'a pour foutre ici. Mais tu vois d'autres qui prêchent d'autres messages, ils ont des choses. Des fois, l'ennemi te dit abandonne ce message. Tu vas mourir beau. Et par la grâce de Dieu, nous avons tenu. Et Dieu a mis à côté de nous des hommes qui aiment ce message. Et à vous qui êtes là. Et un jour, je suis allé au Botswana. Et là, Dieu m'avait utilisé dans les miracles terribles. J'arrachais les béquilles des paralytiques dans le salon. Sans musique, sans chorale, sans émotion. Et en 4 jours, l'église qui m'avait invité avait quadruplé. Et quand je suis revenu à Kinshasa, j'ai vu aussi les miracles continuer. Les paralytiques ont abandonné leur béquille. Mais mon cœur était resté au Botswana. Et je ne vous avais pas dit. J'étais vraiment en lutte entre rester au Congo et aller m'implanter au Botswana. Excusez, dans cette église, je fais seulement ça la moitié par terre. À 7h du matin, les gens sont pleins devant ta porte. Tu dois les chasser. Tu te dis, mais c'est terrible. Maintenant que c'est ici que Dieu m'appelle. Alors quand je suis revenu, j'ai commencé à prier. Seigneur, est-ce que tu veux que je reste au Congo? Ou tu me veux au Botswana? Alors je verrai un ange venir me dire, reste à Kinshasa. Reste dans ton pays. Et le message qui t'a été donné se répandra dans le monde entier.
forme ton équipe et je t'utiliserai comme un revivaliste. Comme Wesley Finet, et puis la vision de Prive. Quand cet ange m'a dit, le message de la sainteté qui m'a été donné, cela a répandu dans le monde entier. Je pensais que je devais commencer à voyager dans le monde entier. Je ne savais pas que Dieu connaissait l'internet. Et un jour, le prophète Joël Francis me dira, Marcel, le message de Dieu est là. Mais ce n'est pas pour le Congo, c'est pour le monde entier. Mets-les sur Internet. Il faut avoir des amis qui croient en toi et qui ne sont pas jaloux de toi. Des gens qui te disent, tu as la chose de Dieu. Il m'a dit, donne-moi tes vidéos. Je vais te les mettre sur Internet. Et il a mis mes vidéos sur Internet. Et l'un de mes fils, David Essalé, qui est à Paris, va prendre mes vidéos, il va les mettre aussi sur Internet et sur enseignement.com. Et tout le monde a dit, David Essalé, pour pas aller à Paris, parce que tout le monde a vidéo qui contient mon Internet, c'est là. Enseignement.com. Et on les met. Et en ce temps-là, le maximum des vues de mes vidéos, c'était 700 vues, 300 vues. Et un jour, un homme me téléphone. Comment on trouve un il y aura un jour. Et vous en donc tu vas bien faire ce que tu fais. Comment que ça, madame de ça. N'arrête pas de bien faire ce que tu fais. C'est comme ça que ma madame de ça. Un jour, quelqu'un m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. Bonjour, pasteur Marcelo. Moi, c'est le frère Blaise Manzani. Je suis le PDG de Casarema. J'ai un site chrétien à Paris. Je voudrais que tu me permettes de prendre l'une de tes vidéos que j'ai mises sur Internet et de mettre ça sur mon site www.casarema.fr. www.casarema.fr. Je dis, mais avec plaisir. Il aura bon au niveau. C'est pour moi. Mais, Kassi, parce qu'il m'arrivait des fois, mes frères, de venir avec un message sur la route, je pleure. Et maintenant, comme il y a un moment, je suis dans la matière, dans la zone, je pleure. Parce que je sens, moi, que c'est un message de départ du monde entier. Ou quand je finis de prêcher un message, je suis triste parce que je sais qu'il va s'arrêter dans les 4 heures. Il m'a dit, je vais mettre ça. Je dis, mais il a mis. Et les gens ont suivi, c'était fouiller l'impudicité. Les gens ont apprécié le message. Et puis il m'a dit, je t'envoie mon journaliste, il va t'interviewer. Et m'interview sur le divorce des hommes de Dieu. Sans craindre tout ce qui se passe dans la ville, j'ai donné mon avis. Le pasteur divorce, il ne doit plus prêcher. À moins que sa femme soit tombée dans l'adultère et cela d'être prouvé. Le papa qui moi signale maintenant au bas de mon souci, ce n'est pas prouvé, même s'il est une grande église, il ne doit plus prêcher. Ce qui est mis sa vie dans l'église à mon nom à côté, si je divorce, je ne prêcherai plus. Ce n'est pas bon, il n'a pas mon nom à côté. Et je ne verrai plus dans cette église si je m'entête à continuer à prêcher après avoir divorcé. Aller ailleurs, Bethel, entrer ailleurs. Et tous les fidèles qui prient dans des églises de divorcer, vous êtes en position de faiblesse parce que le jour que tu voudras divorcer, ton pasteur ne t'interdira pas parce que lui-même l'a déjà fait. Comment il peut t'interdire? Lui-même l'a déjà fait. Et alors j'ai parlé dans l'opi. Et il a dit, dans l'opi. Pasteur, dans ma chair, pour passer, c'est 400 euros. Et ça, 400 euros.
mais je veux encourager ton ministère. Tu donneras que 100 dollars par mois. Je t'envoie les caméramans, ils sont là. Cette caméra, je crois, elle coûte 2000 euros. On ne l'a pas acheté. Et il enverra ses caméramans qui filment. Mais on met sur internet une prédication du dimanche. Mardi c'est sur le net, lundi c'est sur le net. Et c'est devenu un phénomène. Un phénomène. Certaines prédications ont atteint 700 000 vues. 700 000 personnes par l'année, pas sur YouTube, dans le site. Dans YouTube, des ménages, 300 000 vues. Mais ce sont 300 000 personnes dans l'année. Alors, je vous parle. Le site a bloqué. Site est bloqué. Il est là. Pourquoi trop de gens les gardent? Et les États-Unis ont écrit, vous avez atteint le nombre maximum de vues, vous devez refaire le site parce que ça fait un embouteillage sur le net. Parce que trop de gens vont suivre le message de fouiller la publicité. Pourquoi on vient aussi de suivre le message? Si tu es dans la vie, on va te laisser pas la tête, il y a aucun de quoi on va te payer. Et quand j'étais ici avec vous, on est là, les gens commençaient à me téléphoner. Dans la vie, on va te appeler une fois, deux fois. Ça devient sans appel. 200. Au point où je ne sais plus prendre le téléphone. Les gens du monde entier. Il y a un temps, j'ai prêté mon téléphone à Dev et ça a voulu tuer son mariage. Et puis les gens commençaient à m'appeler, m'a dit, pasteur, ici en Europe, le message de la sainteté est devenu un phénomène. Parce que ça m'a passé en la poto, ma terre vous sent tourner au milieu. Je dis, c'est pas vrai. Non. Bien. Donc ici, Marcelo, tes prédications même, les enfants, je dis non. Arrive, tu vas voir. Mon bâtiri, ma terre au centre, à la tabana, qu'on nous bâtit. Qu'on m'a caca mon bon monde. Et là, ils m'ont invité. On dit, ma bénie, c'est qu'il y a, ils m'ont payé le billet. A foutu l'in à casa. Ils m'ont mis dans des hôtels terribles. Ah, je commence pas bien des certaines choses. Hein. On te met dans une salle de bain, tu regardes, tu dis, où est-ce qu'on offre? C'est comme si c'est un robot. Mais il n'y a pas mal de demander quoi. Tu te vas faire tu. Ah, tu es brûlé par le. Ah, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu as robinet simple et débile? Donc ça des jours sur la tête pour ça revenir. Tu vas à la toilette, tu ne sais pas où on chasse l'eau. Mais l'autre a l'eau. Ok, la toilette de l'escalité va partir dans ma main et les mains ils allaient. Ah, RDC. Et l'eau en casse. J'arrive parce que quand ça vient
Rema, c'est une chaîne de télé. C'est devenu une chaîne de télé. Donc maintenant, on est suivi sur, à la télévision d'abord. Et pas seulement sur Internet, même à la télévision. On appelle ça le box. Dans un box, il y a Casa Rema et nous sommes suivis en Europe à la télé. Avaient organisé une action, ils ont un studio de 250 places. Et il fallait réserver. Les gens venaient dans une salle qui n'était pas totalement finie. Et dans la salle, mon copain est si la Kinshasa. Faisait chaud plus qu'à Kinshasa. Non, plus. Collégateur pour la Kin. Si vous voyez les vidéos, je transpire, j'ouvre les boutons. Tout le monde est dans la salle. Même vous savez, vous êtes dans la salle. Place les athées. N'a pas d'attendre dans la salle. Les bonsoirs pasteurs n'ont pas dans la salle. N'a pas dans la salle. N'a pas dans la salle. Frère, sœur. C'est quand je me suis rendu compte que Dieu n'est pas dans les préférences, Dieu est dans la soif. Si nous pensons que parce que nous sommes les Congolais, nous avons des très très grandes églises, le réveil viendra de nous. Si un autre peuple a plus soif que nous, Dieu va leur donner ça. Et ce sont eux qui vont évangéliser le monde. Bien-aimés, voyez quand vous êtes au Congo, vous pensez que quand vous allez voyager, vous serez heureux. Vous pensez quand vous aurez une belle voiture, vous serez heureux. Quand vous serez dans un pays beau, vous serez heureux. J'ai trouvé vos frères très nombreux là-bas. Ils cherchent Dieu là-bas plus qu'ici. Parce que seul Dieu peut combler vos cœurs. Peut-être que pour l'instant, vous ne me croyez pas. Mais je vous dis, ils ont tout ce que vous cherchez, mais ils n'ont pas ce que vous avez. Et ils sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont pour avoir ce que vous avez. Mais vous, vous insultez Dieu, alors que vous avez ce que eux recherchent, parce que vous avez le mix de l'Europe. Alors qu'en Europe, il y a des pauvres, il y a des SDF, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens très malades, il y a des gens malheureux, malheureux donc, de malheureux. Mais en Europe, et j'ai vu ces gens avoir une soif de Dieu plus qu'au Congo. Et vous savez, souvent sur le net, nous mettons que les vidéos, les messages parlent comme Dieu nous utilise dans l'onction, la puissance. Et la plupart pensaient que nous sommes seulement des bons prédicateurs, mais dans le domaine des miracles, de l'onction, Dieu ne nous utilise pas. Alors, quand je suis arrivé, le premier jour, j'ai prêché normal, le deuxième, il fait un jour, il m'a dit aujourd'hui. Alors j'ai prêché, j'ai dit lever les mains, il pensait que les ablats. Quand j'ai dit ça, recevez. Il y a quelqu'un qui a commencé à se tomber. J'ai vu la queue au poil, les amours. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est que le jour qu'on devait recevoir au bureau, on devait commencer à 14h. Les gens sont venus à 7h du matin avec leur sandwich en train de manger en attendant qu'on les reçoive à 14h. Jusqu'à 21h30, au point où vous êtes au bureau, les gens qui sont dehors, l'onction les touche, ils sont dehors.
tu es dans le bureau, mais l'onction est en train de toucher les gens dans la réception. Et on a un groupe de 10 jeunes. Là-bas, les gens qui ne prient pas, ce sont les jeunes. Les jeunes ne prient pas, surtout ceux qui sont nés là-bas. Les parents prient, mais les jeunes. Et bizarrement, dans ce séminaire, il y avait plus de jeunes. Et j'ai été étonné, comment ces jeunes? Et ces jeunes sont venus sous l'onction et se sont assis. Pendant qu'on cause le baptême de l'esprit, les attrape, ils commencent à prophétiser. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Et ces jeunes m'ont suivi partout en France, partout je prêchais. Ils suivaient sur le net où tu es et ils allaient. Bien aimé, ce sont des personnes coriaces, quoi, comme on m'a raté. Bien aimé, le Saint-Esprit plus que l'éducation. Amen. Plus que les arguments. Prêche seulement la parole, Dieu fera le reste. Et on a vu des gens qui sont venus au séminaire en mini. Tu prêches de leurs mains en jupe longue. Amen. Yemoura qui dit cerveau. Mais ils sont là où il y a Gucci, Versace. Mais ils ont commencé à s'habiller jusqu'ici. Mais ils sont dans un gâteau, ils sont dans un gâteau. En un mois, avec beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes,
Dieu n'appelle pas un pasteur à faire pleurer un autre. Nous ne sommes pas dans la compétition, nous servons le même Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu t'élève que tu dois maintenant maltraiter les autres. Et on fera pas l'église. Nous irons tenir des actions de 5000 personnes. Et puis les fidèles vont dans les bonnes églises. Quand un arbre que le fait, bénit le fait. Pourquoi le Congo ne peut pas engendrer sur un arbre? Amen. Et tu vas en Europe, tu prêches, tu as l'impact, puis tu prends les fidèles. C'est pas bien ce que moi j'aimerais que quelqu'un vienne prêcher dans cette église et puis il prend la moitié des fidèles. Pourquoi moi je vais le faire en Europe? Ok, poteau, délire aussi, bandine. Tu vois, la monde, il m'a voulu aussi, poteau, et poteau, aussi, bandine. Quand tu vois, c'est quoi, tu sais, on a poteau. Nous allons faire seulement les noyaux du ministère. On prépare les actions. Nous faisons les actions. Et nous laissons les fidèles. Nous allons implanter dans des endroits où, si nous implantons, on ne va pas diviser les églises. Amen. Amen. Parce que surtout au Canada, c'est au Canada où nous sommes le plus suivis de partout, on a fait les statistiques. C'est pourquoi même il y a des empoisonnements dans le corps du Christ. Dieu ne te protège pas lorsque tu as blessé l'autre. Il a travaillé 20 ans. Il a 200 fidèles. Toi, en un jour, tu lui prends 150. Il t'empoisonne. Il a mal fait. Toi aussi, tu as mal fait. Amen. Et un prophète de l'Italie m'a confirmé cela sans qu'il sache ce que Dieu m'avait dit. Il m'a dit ceci: Dieu veut t'utiliser pour un réveil mondial. Et si tu implantes une église locale, tu vas limiter l'impact que Dieu veut te donner. Établis un noyau, fais des actions, réunis le corps de Christ, affecte les églises et ne reste pas en Europe. Rentre toujours dans ta nation. C'est que Dieu m'avait dit et lui me l'a dit. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Amen. Quand nous sommes allés à Bruxelles, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. On a vu les gens venir de Luxembourg, des Antillais, des Blancs. Une fois, je voulais leur demander, you are a man. Je les regardais, et quand je prêchais, c'est comme s'ils me connaissaient. C'est quand j'ai vu que la plupart suivent sur Internet. Si vous allez sur Internet, vous tapez www.youtube.com, vous tapez Marcelo Tounas, il y a plus de 200 vidéos. Ok, non, Internet www. Ils suivent toutes ces vidéos. Ils ont téléchargé. Ils ont partagé. Des fois, ils les mettent toute l'église dessus. Et je les ai vus. Mais. Et un jour, alors que je prêchais, j'ai vu un blanc se tenir debout, en train de faire ça. Je croyais que la parole le touchait, alors qu'il voulait me tabasser en plein culte. Parce que je prêchais contre Marie, contre les chapelets, contre l'idolâtrie. Et il était derrière, il faisait ça. Et je disais, je croyais qu'il disait amen, j'ajoute encore. Alors qu'il disait, mais nous on vient de la Martinique, il venait de la Martinique. On a prié pour que Dieu nous parle au travers de cet homme, mais pourquoi il blasphème contre Marie? Je dois lui parler. On lui dit, mais non, mais Dieu te parle. Et ils sont sortis, toute sa famille, ils sont sortis dehors, et puis ils sont retournés encore. Et moi je pensais qu'à c'est béni fort. Yambo, pas toi ça va, regarde, tu dois vraiment pas à la maison. Bonsoir, Bétaïna. Et après on dira, non, parce que toi le blanc qui était debout là, qui je dis, ah, donc, pas reporté, et un jour, je rêve, à 16h, que je suis en train de prier de délivrer une fille. Et j'arrive dans cette église. Je sens une forte onction, mais je ne sens pas la conviction de la libérer.
Je finis, le pasteur se lève, dit, il y a une fille qui est sorcière ici. Va dire au pasteur que tu es sorcière. Je vais au bureau, je trouve une fille. Elle me dit, je suis sorcière. En français. Oh, qui m'a dit de dire pour mon apôtre? On n'a pas d'où qui va ça. Allez, à papa dit l'apôtre. Elle dit, je suis sorcière. C'était la fille, c'était le même bureau. Et c'était tout ce que j'ai vu dans la vision. Elle a été délivrée ce jour-là. Mais elle a avoué sincèrement qu'elle est sorcière. Peux-tu avouer sincèrement qui tu es? Parce qu'ici aussi, il y a des sorcières. Il y a des sorciers, n'est-ce pas que vous êtes là? C'est une capacité de 5000 places. Ils en ont encore 5000. Mais même 5000 places, c'est peu. Attends, 5000, on est dans mon quai. C'est-à-dire que l'impact atteint le niveau où il faut des salles de 10000 personnes. Et dans ma commune, 5000 et 6000. Et j'aimerais dire à tous les gens qui viennent prier ici le matin. Demandant le réveil mondial. Dieu vous exauce. Amen. Quand je suis arrivé là, je m'ai dit, ce sont les prières qu'on fait chaque matin. Vous qui priez chaque matin. Pour un réveil mondial. Si même vous avez abandonné, revenez encore. Continuez à prier. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent. À la télévision, il abandonne tout. J'en ai rencontré plusieurs. Et la plupart, c'était mes enfants qui ont suivi. Ils m'ont parlé. C'est plus les jeunes. Ils sont sur le net. Si on connaît leurs parents, les parents ont connaît leur pasteur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé. Je peux vous dire que servir Dieu dans les sérieux, c'est une très bonne chose. Et rester fidèle à ce qu'il t'a dit. Sans agiter. Ni rétrancher. Sans agiter. Ni rétrancher. Je termine, mes frères et sœurs. Ce qui m'a touché aussi. C'était les hommes de Dieu. Vous savez, si à Kinshasa, on dit Manabate, mais là-bas, j'ai vu des hommes très âmes. Venir au séminaire, d'autres qui ont quitté les États-Unis, d'autres qui ont quitté l'Angleterre, les Antilles, et d'autres. Et dire que c'est ton temps. Organise des actions, nous allons fermer nos églises pour que tu prêches à nos fidèles. Et j'ai rencontré aussi un homme de Dieu qui est venu. Un jour je prêche, je vois un beau monsieur et une belle dame. Je suis dit, Dieu nous a dit de l'écouter et de te suivre même au Congo. J'ai dit au Congo. Elle dit le 8 mars, moi j'ai dit au Congo. Le 8 mars, moi j'ai dit au Congo. Je m'ai dit de t'écouter. Pour la révolution de mon ministère. Et moi le 8 mars, j'ai raté l'avion. Le 8 mars, j'ai raté l'avion. 8 juillet plutôt. Lui le 8 juillet, il était dans l'avion. Le 8 juillet, il m'a précédé. Et ce matin, je le vois. Le
au milieu de nous. Il y a d'autres aussi qui vont venir, surtout moi, nous. Nous devons faire un contrat avec un flat à côté pour héberger toutes ces personnes qui vont venir. C'est pour construire un flat. Quand je vous disais de construire un flat, nous avons maintenant besoin d'un bus compassion qui va à l'aéroport, qui prend nos invités, qui les dépose dans un flat, qui les amène à l'église et qui les ramène au flat et qui les ramène à l'aéroport. Parce qu'il est venu lui-même, je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas, je me retrouve seulement ici, je ne sais pas si c'est perdu, je ne sais pas, je vais lui demander après. On a besoin des gens qui donnent leur bus, des gens qui commencent à faire ça. Amen. Hein? Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a choisis, nous, Église Compassion, pour un réveil mondial. D'ici là, les délégations du monde entier vont commencer à venir dans nos cultes, ce sera normal. Et nous aurons des cultes en espagnol, des cultes en anglais d'ici là. C'est vrai. C'est pas maintenant le bas par la foi, mais ça par la vue. Amen. Alors, tous ceux qui parlent anglais, on a besoin de vous. Vous parlez espagnol, on a besoin de vous. Nous sommes devenus une église internationale. Amen. Tous veulent vous voir. Nous sommes vraiment des habits à mal. Tous veulent voir cette église-là. Ils vous prennent pour des anges. Parce que si vous vous suivez en live, c'est que eux suivent. C'est qu'ils ne vont pas vous voir. Votre papa, tu vas être obligé. À voir, il dit non. Ça va être trop pas. Je vais donner au pasteur Fortuna le temps de parler pendant 15 minutes et puis nous allons prier. Vous permettez? Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un jour spécial pour moi. Un jour de gloire. Un jour de joie. Vous savez, avant toute chose, je vais lire un passage dans la Bible. Rapidement. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 9. Vous connaissez l'histoire où le Seigneur a envoyé ses serviteurs, leur a recommandé quelque chose. Il leur a dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais le verset dont j'appuie ma présence ici, c'est dans quelques villes ou villages que vous entrerez, informez-vous s'il trouve plutôt quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui. Soulignez, demeurez chez lui. Jusqu'à ce que vous partiez. Ceci est la parole de Dieu. Amen. Et dans ce message, c'est là où je tire mon témoignage. Qui me dit,
vous irez. C'est un aspect de la mission. Vous irez. Mais la maison, il les a envoyés. Il leur a recommandé encore une fois de demeurer dans une maison. Tu dis, Seigneur, tu m'envoies d'aller servir en France. Mais tu le ramènes encore en Afrique pour quelque temps afin que je puisse demeurer dans une maison. C'est là où je partirai encore. Donc l'envoi n'est pas signification de commencer le travail. L'envoi, c'est une question de prendre courage et de s'élever, d'aller commencer. Mais Dieu nous envoie quelque part dans une maison afin que nous soyons instruits, enseignés, éduqués. Et c'est là, maintenant, le temps de Dieu, lorsqu'il va s'accomplir, tu partiras. Et je vais me présenter d'abord, je suis le pasteur Fortuné Limoto. Pour beaucoup de personnes, vous êtes étonnés. Vous croyez peut-être que j'étais un étranger. Je ne suis pas étranger. Je suis né au Congo. Je suis né ici. Je suis un enfant du pays. J'ai quitté ce pays à l'âge de 20 ans. Et donc, je travaillais ici dans l'aviation et je suis parti en France. Et en arrivant en France, je ne savais pas quoi faire parce que j'étais sans papier. Croyez-moi, frère, pas parce que vous arrivez en France que vous trouvez tout établi pour vous. Et c'est dur, hein? Sans papier. Et étant sans papier, je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment les gens peuvent vivre comme ça? Et j'ai pris la décision d'aller dans le premier régiment, 4e élite, de la Légion étrangère à Marseille et au Havre. J'ai fait la Légion étrangère, donc je n'ai pas fini. Parce que Dieu avait une mission sur moi. Tu devais être militaire pour aller tuer des personnes. Dieu ne m'a pas et ne m'attendait pas dans ce domaine-là. Et puis je suis retourné dans ma maison et j'ai rencontré mon actuelle épouse, dont nous avons eu 6 enfants. Oui. J'ai 6 enfants. Et j'ai un enfant qui est semi-albinance. Je vous raconterai une autre fois pourquoi semi. Parce que Dieu m'a montré sa puissance. Comment il peut transformer le corps d'une personne à une fraction de seconde. Et Dieu, il est fidèle à ceux-là qui sont fidèles à lui. Je ne connaissais pas, je connaissais Dieu. Je suis baptisé ici, au fleuve Congo. Et j'ai rencontré les Seigneurs dans l'église là-bas. Monsieur le pasteur blanc, comment il s'appelle encore, Jean Ferno, lorsqu'il avait commencé. Dans les années 70, j'avais pratiquement 10-15 ans à peu près. Et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Il y a une histoire trop longue. Je ne vais pas revenir encore en arrière. J'ai commencé à servir Dieu en France après avoir rencontré mon épouse. Et cela près de 15 ans en arrière. Et c'est elle qui m'a amené dans une veillée de prière. Et dans cette veillée de prière, il y avait une dame. Une dame qui m'a dit, c'est une prophétesse. Je ne croyais pas aux prédications des femmes. Pardonnez-moi. Mais Dieu, à travers une femme, a envoyé le Seigneur. Et à travers cette femme-là, et j'ai reçu la part de l'Éternel, la mission de servir Dieu. Et nous avons commencé l'œuvre de Dieu dans mon salon avec mon épouse. Là, à l'époque, on avait 3 enfants encore. Et nous sommes à Genève, nous avons dit au Seigneur, si tu veux réellement nous te servir, alors montre-nous que tu es réellement Dieu et tu veux qu'on te serve. C'est là, il y a une personne qui sonne à la porte.
Il dit, est-ce que le culte a commencé? On avait déjà fini le culte. Parce qu'on avait commencé à 10h. À midi, on avait fini. Mais la personne a sonné à 15h. Il est venu pour prier avec nous. Et nous avons prié ensemble. Le week-end d'après, la même personne est revenue avec une deuxième personne. Cette personne-là est revenue et dit, j'ai un copain. Un copain. Copain, hein? Parce que je veux me marier, mais je n'arrive pas à concevoir. J'ai dit, oh, comment veux-tu te marier et tu vis dans la félicité? Waouh! Il dit, non, vraiment, nous voulons nous marier. Mais le Seigneur peut me faire grâce. Au moins que je puisse concevoir. J'ai dit, ah, là maintenant le Seigneur me dit, David dit, il a été conçu dans l'iniquité. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et c'est là, j'ai prié pour cette personne, Dieu l'a béni des enfants. Je ne sais pas, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Mais, un jour, je dormais. Après avoir, c'est une longue histoire, je vais couper court. Parce que j'ai que un quart d'heure. Un jour, je dormais. Pendant que je dormais, je vis dans une vision. Une nuée comme dans l'Égypte, Et cette nuée-là qui venait enlever tous les premiers nés d'Égypte pour dire au Pharaon, attention, moi, Dieu, j'ai pris la décision de tuer tous les premiers nés parce que tu as refusé de libérer mes enfants et de les renvoyer dans le désert afin qu'ils puissent m'adorer. Et de là, j'ai vu la nuée commencer. Au niveau de chevilles, de genoux, de la hanche, du cou. J'ai dit, Seigneur, pourquoi veux-tu me tuer? Je vais mourir. Il m'a dit, tu ne prêches pas ce que je t'ai demandé de prêcher. J'ai dit, Seigneur, comment je ne prêche pas ce que tu m'as demandé de prêcher? Souvenez-vous, frères et sœurs, je dis souvenir, tu pensais que j'étais encore à l'église. Je prêche, chasser les démons. Les démons, chasser. Et le Seigneur m'a dit, non. Avant de commencer à chasser les démons, il faut leur expliquer d'où viennent les démons. Prêche-moi la repentance et la sanctification. La repentance et la sanctification. Et c'est là maintenant, je vois. C'est comme si quelqu'un soufflait, je ne voyais pas son visage, il soufflait dans ses narines, j'ai senti un souffle sur ma tête. Et cette nuée-là est partie. Il me dit, lève-toi. Il me prend ma main et il ouvre un grand bénitrait. Et je me suis retrouvé sur une parvis. Il me dit, lève ta tête. Je regarde, c'est le parvis de la défense. La défense en France, pour ceux qui connaissent la France, il y a une grande partie où il y a plein de bureaux de tours administratives. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, lève ta tête, lève les yeux. Et lorsque je lève mes yeux, je regarde. Je vois maintenant les personnes dans les bureaux qui sont en train d'écrire. Il me dit, tu prêches la repentance à ces personnes-là et la sanctification. Je dis, gloire à Dieu. Et j'ai demandé la confirmation si c'est réellement Dieu qui avait parlé. C'est là maintenant le Seigneur me montre dans une vision que le président Sarkozy ne serait plus président de la République et ça sera le président Hollande avant même le résultat. Et si j'ai dit Seigneur, c'est réellement toi qui parles, dit oui, c'est moi qui vous ai confirmé que j'ai moi qui t'a donné cette vision. Et la confirmation de la vision est arrivé et que le jour du résultat des élections en France, François Hollande était président. Or, je l'avais annoncé auparavant à l'église. Il s'est passé beaucoup de choses avant cela. Mais un jour, on était dans la chambre avec mon épouse, allongée sur le canapé avec l'iPad. Mon épouse, elle aime bien chercher des prédications, pour écouter, pour s'affirmer dans la parole de Dieu. Cela, il me dit, il m'appelle Na. Fortuna, donc il coupe Na. Regarde. J'ai dit quoi? Il
mais tu ne connais pas ces pasteurs. Je dis, non, je ne les connais pas. Je dis, c'est qui? Il dit, mais il s'appelle pasteur Marcelo Tounassi. Jérémy Tounassi. Ah, je le regarde, je regarde, je dis, oh, écoutez, nous sommes fatigués. Dieu m'a dit que je suis son serviteur. Il va me remplir aussi. Il va m'enseigner lui-même. Je commence à donner des raisons, des exemples, des gauches à droite dans la Bible. Ah! Et il me dit, non. Là, c'est un esprit d'orgueil qui parle en toi, chérie. Kanamou n'a pas rien. Tais-toi un peu. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. J'ai dit, mais tu es devenu Dieu maintenant. Il dit, non, il parle dans ma bouche. Et puis, on commence à rigoler. Et j'ai pris ça au sérieux. Et je suis parti sur YouTube. Je regardais. Mais j'étais touché par un message. Parce qu'il y a plein de messages. Je regardais, je dis, non, pas ça, pas ça, pas ça. Je sortais pas ça. Pas ça, pas ça. Mais un message qui a été fait ici. C'est un programme, je ne sais pas de combien de jours, hein, d'une semaine, qui parlait de pouvoir du temps. Je me réponds de mon orgueil. Ce n'est pas bon d'être orgueilleux. Je suis ces messages de près. Pendant que je le suivais sur l'iPad, ça ne suffisait pas. J'ai dit, chérie, mets un peu stop. Les enfants, allez dans votre chambre. Allez, 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 laissez-moi tranquille. Parce que je vais écouter ces messages, parce qu'ils faisaient trop de bruit. J'ai dit à maman, prends le petit de nouveau-né. Mets-le dans sa chambre là-bas avec ses frères. Mais parce qu'il y a un enfant, on a un aîné, il y a 14 ans. Occupe-toi de ton petit frère. Et c'est là qu'on a mis sur l'iPad, on a projeté ça sous la télé. Parce qu'il y a un système. Tu cliques et tu projettes dans la télé. Et c'est là, maintenant j'ai vu maintenant l'homme de Dieu. Il est rentré dans la présence de Dieu. Il a commencé, j'ai vu des oracles sortir de sa bouche. Je dis non, 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 c'est pas possible. Et lorsqu'il est parti dans le domaine de Dieu vierge, waouh! Et j'ai senti, je n'ai jamais senti cela, que l'onction de Dieu sortait à télé. Je dis non! L'onction du Saint-Esprit. Je n'avais pas prié pour écouter le message. Mais le message était vraiment prévu pour moi. Et j'ai senti une flamme, un choc dans mon cœur. Je tape le poing sur la table. Je me suis tenu debout. J'ai sauté, je commence à crier. Sur la table, je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Et c'est là maintenant, mon épouse me dit, nous allons mettre ça en prière. Si c'est réellement, c'est Dieu qui veut que tu puisses commencer à suivre ce monsieur, à suivre cet homme de Dieu, alors il permettra à ce que tu puisses le rencontrer. Si on a fait le programme, parce que je me suis dit, non, Seigneur, enseigne-moi. Vous savez, un homme de Dieu, mais ça ne suffit pas. On connaît partiellement, on veut partiellement dire votre corps. Alors, je dis, il faut que je sois enseigné. Enseigné encore et encore. C'est là maintenant, toujours mon épouse, dans ses recherches. Moi, j'avais déjà pris la décision. J'y
je vais dans cette église en quittant ça. Je vais rester. Que le temps que Dieu m'a donné de rester en Afrique, je resterai auprès de cet homme. Je m'asseyerai à ses pieds. Et je veux qu'il m'enseigne. Qu'il m'enseigne. Et j'ai reçu une force conviction dans mon cœur. En écoutant encore, avant même d'aller plus loin, excusez-moi. Et j'ai pris la décision avec mon épouse. Il faut que j'aille à Kinshasa. Et je vais comme un stagiaire. En stage. Je ne sais pas s'il y a une école de pasteurs ou des stagiaires ici. Je vais rester en stage à côté de cet homme. Partout où il ira, j'irai. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'Europe. Il vous a rencontré l'histoire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en France, au jour d'aujourd'hui, les églises se sont toujours cloisonnées dans les quatre murs, avec des grandes portes. Il y a des grandes églises, il y a des églises immenses, d'abord, ainsi de suite, c'est pas ça le là. Mais, et quand je rentre dans cette église, il n'y a que 3, 4, 5 blancs, ou 6 blancs, 7 blancs. Mais, l'église de Christ est internationale. Alléluia. L'église de Christ est internationale. C'est là maintenant, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as déplacé de l'Afrique jusqu'ici, c'est pour que je puisse toucher le blanc, les Européens. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur, dans son amour, il nous a montré la voie à suivre. Toujours pendant les recherches, mon épouse regardez toujours Pasteur Marcelo. Sur quels éléments? On voit le programme. Et dans ce programme, c'est marqué fouiller l'impudicité. On lui dit, ah, comment c'est merci, c'est là. C'est lui. Parce que le Seigneur m'avait parlé de prêcher sur la repentance et la sanctification. Fouiller l'impudicité, j'ai dit, j'irai. Et lorsque je suis parti le deuxième jour, c'est pas le premier jour que je ne pouvais pas y aller, c'est le deuxième jour, c'était un mardi, si je me souviens bien. Et là, j'ai écouté, j'ai tellement écouté là, cette parole maléfique de fuir l'impudicité. J'ai dit, Seigneur, merci pour ton serviteur. Je vais le suivre. C'est une confirmation que c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui respecte Dieu. C'est un homme qui vit dans la sanctification. Et bien aimé le Seigneur, j'ai vu ces prédications. Ce n'est pas parce qu'il y a la foule que j'ai été attiré, mais j'ai été attiré par la sanctification, par sa vie sanctifiée. J'ai dit non, il faut qu'il ne s'est pas appelé pour moi. Je dois faire quelque chose. Et au milieu de la nuit, le troisième jour, le Seigneur me montra une vision. Il me montra que l'homme de Dieu a pu me prêcher dans un petit local. Et je me suis souvenu que c'était dans ce local-là, de Sido de Casarema. Il dit, sème dans la vie de cet homme. J'ai dit, Seigneur, merci. Je vais s'aimer dans la vie de cet homme. Donc j'ai donné mon temps parce que la vie de la main qui donne ne doit pas s'enorgueillir, il ne doit pas savoir, personne ne doit savoir. Je lui ai dit, homme de Dieu, Dieu m'a dit, il s'aimait. Et j'ai pris en charge une partie de son séjour, pas le séjour pour dormir, une partie seulement, afin que Dieu puisse m'orienter encore, m'enseigner encore à travers cette table. Amen. Amen. Alors, bien aimé le Seigneur, je vais finir, je vous assure, la moisson est grande. La Bible dit cela. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Surtout en Europe. Et je crois fermement, car Dieu me l'a confirmé aussi
Après le mois de décembre, ça sera certainement au mois de décembre dans une salle. Mais après cela, ça sera dans un terrain de football. Ça sera dans un terrain de football. Ça sera dans un terrain de football. Ils vont toucher les Français. Et Dieu est en train de préparer une armée. Et je suis convaincu, l'armée est ici en Paris. C'est une armée de femmes. Le serviteur, je l'ai vu. Alléluia. Pendant que nous étions en train d'adorer Dieu, j'ai vu le ciel s'ouvrir dans cet endroit. Lorsqu'on disait Alléluia, Alléluia, waouh, j'ai vu que Dieu a commencé à préparer une armée. À chacun des personnes, Dieu a mis une onction spéciale. J'ai vu les flammes de feu sur la tête des personnes ici présentes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Croyez-moi, si j'ai quitté 8000 km pour venir dans cette nation, pour venir dans votre église, c'est parce que c'est un choix de Dieu. Alléluia. Parce que vous êtes dans la vérité. Vous vivez dans la sanctification. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette onction qui est en train de planer en ce lieu ce matin. Nous prions que ton but s'accomplisse dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement donner nos offrandes et puis nous allons prier. D'accord? Qui sent le désir de prier? Alléluia. Qui sent le feu de Dieu ce matin? Yes. Something is happening. Yes, something is happening now. Du temps de soi, qu'il te règne pour apporter l'évangile, qu'il te règne pour proclamer que Jésus revient bientôt, qu'il te règne pour sanctifier l'église, qu'il te règne pour révolutionner l'église, pour réformer l'église, qu'il te règne pour les choses prioritaires. Oh, je le possible, mon Satan. Alors que nous nous amusons avec l'évangile, il y a des gens qui aimeraient entendre une seule fois ce que nous entendons chaque dimanche. Si tu pouvais savoir que Dieu a déjà suffisamment mis en toi un grand dépôt. Ce matin, tu touches 20 personnes de manière claire et radicale au nom de Jésus. Dès la prière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
je vous vois.